Martin Pêcheur, huppe grand Capricorne. Selon les associations de protection de l'environnement, ce sont plusieurs centaines d'espèces qui seraient menacées par l'arrivée du TOP, le tronçon ouest du périphérique. À l'étude depuis de nombreuses années, le projet de contournement autoroutier suscite donc toujours l'inquiétude. Une journée d'inventaire était organisée ce samedi par la FRAPNA pour sensibiliser à la nature périurbaine. Donc voilà, on est sur un milieu plutôt sympathique de prairies, de boisements qui garde encore au jour d'aujourd'hui un caractère naturel, ce qui est assez rare à une telle proximité de Lyon. On sait que le projet de TOP est en train de se relancer, qu'il va bientôt y avoir un débat public qui va être mené. Donc c'est un projet qui est on ne peut plus dans l'actualité et qui, à côté de ça, alors que l'État s'engage dans le Grenelle de l'environnement, va à l'inverse des objectifs d'aménagement durable des territoires.